Ils ont pas assez de clés chez eux, qui viennent nous bouffer les nôtres. Ils sont fous, ces Allemands.
Mais quand c'est propre dans le sac, elle est moche. Si tu veux, je te la donne. Eh, tu te rends compte comme ils sont cons? Tu te rappelles la machine à laver allemande que j'ai achetée? Eh ben, non seulement je fais le pré-lavage et la vidange à la main, en plus, elle m'a bousillé un pull en moire. Maintenant, il est grand comme ça, mon pull. Personne ne peut le porter à part une cacahuète. Téléphone, c'est mes lunettes. T'as pas intéressé quelqu'un? Vous dites, ta trousse de toilette, elle est où? Je sais pas. Ah non, t'en faudrait vraiment que tu mettes des étiquettes à toutes tes affaires. Ah ouais, je sais, c'est chez Marcello. Ton italien, il y a 15 jours? Ouais. Ils sont voleurs, ces Italiens. C'est avec un français. Tu te rends compte comme ils sont voleurs? Ils m'ont vendu 750 francs une machine à faire les pâtes fraîches. En 2 ans, j'ai sorti une coquillette. Si ça te plaît pas, t'as qu'à acheter français. Voilà, c'est Cocorico. Ça fait 10 ans qu'elle a pas mis un français dans son lit. Je suis pour la construction de l'Europe. À l'horizontale. Mimi, j'arrive pas à réaliser qu'on part tout à l'heure pour faire le tour du monde. Un an devant vous, la non-stop. Ah ouais, t'imagines, Noël à Bora Bora. Le 14 juillet sur le Popocatépec. La Chandeleur au Burkina Faso. La Toussaint chez les Papous. Les rameaux en Sibérie et Pâques à l'île de Pâques. Ah ouais. J'ai acheté une culotte de peau au Tyrol, un short en tigre au Kenya, un bermuda en ciré jaune aux chutes du Niagara et un pantalon à la citronnelle aux îles Moustiques. Ah, la mamie qui est réveillée. Bonjour mamie, bon anniversaire. Ouais, on va venir trinquer avec vous avant de partir. Je vous présenterai mes plantes. Et puis je vous présenterai Ginette Yuka, Paul Rododendron et Roger Caoutchouc. Vous avez fait un gâteau? Je vais charger des bougies. D'accord. Elle est mignonne. Elle faisait 85 bougies, je vais aller lui acheter. Non, tu vas acheter des bougies maintenant. Alors qu'on a l'avion à 14h, qu'Isabelle n'est toujours pas là, qu'elle n'est même pas arrivée et qu'on l'a pas encore vue. C'est bien qu'elle arrive toujours quand on l'attend plus. D'accord, je l'attends plus. Bon. Comment tu me trouves? Pareil qu'avant. Je suis pas blonde. Ben non. Mais bon, il y a écrit blond vénitien sur la boîte. Tu vois? À utiliser avant le 22 août 1945. Où t'as trouvé ça? C'est mamie qui me l'a donné. Elle saignait en blonde avant d'être tondue à la Libération. C'est une manie dans cet immeuble de se taper des Allemands. Ouais. Bon, je te signale que ton truc pour Isabelle, ça marche pas. Je l'attends plus, elle est pas arrivée, je l'attends toujours. Eh ben moi j'y vais, comme ça tu nous attendras toutes les deux. Voilà Isabelle, tu vois que ça marche mon truc, c'est toi t'autopasse. Non, ça va nous blâmer là. Il dit coucher. La concierge, je la fais pas rentrer, elle est chiante et son chien va pisser sur mes plantes. Vendez. Bah, ça veut dire que je suis en rendez-vous à l'extérieur là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a votre camion qui gêne. Allez, vous nous devinez. Qui dit coucher? Oui, bah, je vais venir à déplacer. En même temps, vous prendrez votre courrier. Qui dit coucher? Et puis, vous boirez un petit guignolet. Qui dit coucher? Et puis, vous boirez un petit guignolet. Kiki couché. Merci le blanchard. Si elle m'a déjà aligné la contractuelle, j'ai mis un coup de boule. Non mais dis donc, mon à tes parents de payer tes contredanses de leur voiture. Quoi, tu fais négocier en champagne, ils peuvent, hein. En plus, ils devaient m'offrir un coquet studio et une hostile. Je me retrouve avec un garage pourri et une camionnette où il y a écrit champagne crémieux, champagne des moutines. Ouais, je te signale quand même que si t'avais pas dépensé tout l'argent des travaux en t'achetant tous les jours une nouvelle tenue, parce que tous les jours t'as rien à te mettre, t'aurais maintenant un coquet garage. Ok. Amélia. Les deux m'énervent. Dommage qu'on soit déjà amis, sinon je les aurais vraiment pas choisis comme amis. Et vous, mes filles, écoutez-moi.
part un an, mais ça va très bien se passer. Je vous laisse à mamie, la dame du dessus, qui est très gentille. Puis ça va vous faire du changement. Vous allez découvrir la naphtaline, la poudre de riz, Dino Rossi. Oh non, n'essayez pas de m'attendrir en me faisant vos feuilles de coquère. Ça fait 8 ans que maman est serveuse au service 260 du bar TGV. Elle en peut plus. C'est vrai, à force de vendre des sandwichs pas frais, des salades congelées et de l'eau chaude déguisée en café, un jour, on a envie de goûter au mousseux d'Air France. Et puis, un mariage avec Jean-Pierre, un divorce avec Jean-Pierre et un flirt avec je sais plus qui, parce que j'ai toujours Jean-Pierre dans la tête. C'est pas que ça donne une sensation d'échec, mais ça donne envie de changer d'air. Et vous inquiétez pas, maman va revenir en pleine forme. Voyez, depuis un mois, elle prend bien ses cachets de nivacine contre les méchants moustiques. Et je vous écrirai toutes les semaines et mamie vous lira les cartes postales. Et au retour, on se fera une grande fête. Je vous rempoterai avec de la terre d'Amazonie et des crottes de lama. Et je vous projetterai toutes les diapos de vos cousins Baobab et de vos tontons Bonsaï. Allez, mes fifilles, on monte chez la collabo. Je reviens. Si je me marie, c'est pas avec un bigorneau. Non, mais alors ça c'est trop direct, hein, faut que je sois plus diplomate. Ma petite Mimi d'amour et ma Michelle de mon cœur. S'il y a une chose qui vous caractérise, à part votre beauté intérieure, non, extérieure, ça leur fera plaisir. C'est votre intelligence, votre sensibilité, votre générosité. Alors là, elles vont se méfier, elles vont pas lire la suite. Bon, allez, comme d'habitude, hein. Cher Astérix et Obélix. Vous allez très mal le prendre. Mais bon, pour le tour du monde, en ce qui concerne moi-je, c'est foutu. Why? Because. On ne laisse pas tomber un homme qui vous électrocute sans économie d'énergie. Même pour une année sabbatique. Elles vont m'insulter, surtout que c'est moi qui l'ai eu il y a 3 ans, cette idée de connerie d'année sabbatique. Je m'en souviens bien, on était au restaurant chinois. Au fait, sabbatique, un H ou 2 T. Oh, je m'en fous. Hein. Ah, avec la réforme de l'orthographe de Rocard, on peut écrire comme on veut. Hein. D'ailleurs, moi, Rocard, je l'ai pris R-H-E-A-U-C-K-A-2-R-E-N-T. Et top. Il avait qu'à pas mettre un F à Nénuphar. Toi non plus.
t'as pas dit pourquoi il fallait à tout prix qu'on se voit aujourd'hui à 12h30. Non, Mao Tse-ping, on fera trois comme d'habitude. Non, parce que moi ça m'arrange pas du tout. Hein. Pour être à Paris à l'heure du déjeuner, j'ai dû permuter avec un collègue. Du coup, je me tape le TGV Paris-Marseille de 14h28 à sa place. Mais dans le 14h28, le contrôleur est complètement secoué. L'autre jour, il m'a couru après tout le trajet, il voulait me poissonner l'oreille. Bah remarque, moi je vais te dire, ça m'arrange pas du tout de bouffer au resto en ce moment parce que j'ai pas un rond. Bah t'as qu'à prendre juste un petit truc. Ouais, Mao Tse-ping, un 58, un 22, un 44, un 76, un riz cantonais avec un canard maquis. Sans canard. Ouais. Et toi tu prends quoi? Juste une salade de soja avec du soja. T'as pas faim? Si, mais ça va, je vais être obligée de payer ton addition, ça me coupe l'appétit. Tu pourras toujours manger tes poireaux. C'est pas des poireaux, c'est un yucana. Ça ne grandit pas. Et alors cette fois-ci, je me suis pas fait avoir comme la dernière fois. Hein. J'avais acheté un bonsaï, je suis partie un mois en vacances. Quand je suis revenue, il avait tellement grandi, j'ai dû défricher au coupe-coupe pour atteindre la cuisine. Oh, excusez-moi les filles. Je suis en retard parce que j'ai eu un problème avec mon scooter. Ouais, exactement. Trick mich bin, die Hausaufgaben, wo ich fand, schau. Niedische Nierenkrocken. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bonjour, Chaupin, je voudrais avoir peur crevette. Fais gaffe, ta chemise qui tremble dans le coin de la dame. Non, alors là, les filles, vraiment, excusez-moi pour le retard, mais c'est pas de ma faute. Je suis allée repiquer mon scooter au mec à qui je l'ai vendu hier parce que j'ai un autre acheteur cet après-midi. Cette andouille avait pas fait le plein. Alors le temps que je siphonne un réservoir, ben voilà. J'ai aussi ma cinquième sucette à l'amande pour faire passer le goût de l'essence. Sinon, à part pour nous demander de te porter ton vapeur crevette en prison, c'est pourquoi le déjeuner au sommet? Pour un sondage dont le résultat peut tout bouleverser. Ouais, mais moi j'ai faim, alors tu mets sans opinion et on bouffe. Moi je vais te donner ton résultat. Une fille sur trois a un TGV à prendre à 14h28. Ah, d'accord. Alors, première question. Vous gagnez 1 milliard au loto, qu'est-ce que vous faites? C'est pas possible. Pourquoi? C'est truqué le loto. On s'en fout, c'est un sondage. Alors, petit 1, vous donnez directement votre milliard à Le Pen pour qu'il se fasse greffer un autre cerveau. Ou alors, petit 2, vous vous suicidez parce que maintenant, on vous aimez pour votre argent. Ou alors, petit 3, vous prenez une année sabbatique pour faire le tour du monde. Pense pas qu'il est super mignon, Mao Tse-ping. Ouais, très mignon. Mais qu'est-ce que tu réponds? Non, parce que j'ai déjà eu un Thaïlandais, un Coréen et un Vietnamien, mais je me suis jamais fait de Pékinois. Et quand même, qu'est-ce que tu réponds? Bah, je sais pas, moi, il passe par Pékin, ton tour du monde. Évidemment. Eh ben alors, la 3, alors. Ouais. Et toi, Mimi? Non, mais c'est pas possible, c'est truqué, le loto. On s'en fout, c'est un sondage. Bon, bah, alors, la 3 aussi. Mais les boules, elles sont préparées à l'avance. Très bien. Alors nous disons 3 fois 3. Dites, mon soja, vous avez vu cuire en Chine ou je peux le manger en même temps que mes copines? Merci. Deuxième question. Vous écrasez une grenouille qui se transforme en fée. Elle peut exaucer un de ses 3 vœux. Lequel choisissez-vous? Alors, soit devenir la plus belle fille du monde et être con comme un balai. Dis donc, il y a un paquet de chanteuses qui ont dû croiser ta grenouille. Ou alors, être élue présidente de la République et découvrir qu'on peut pas profiter du jardin de l'Élysée pour bronzer toute nue. On peut pas. Ah non. Oh bah non, alors pas la 2. Ou alors, faire le tour du monde de la Terre pendant une année d'environ 12 mois. Machin, je vais faire le tour du monde de la Terre pour aller chercher mon songe. Alors, Mimi, la 3. Ouais, la 3. Et toi? Oh, moi, si je peux pas être belle, con et toute nue dans les jardins de l'Elysée, la 3. Ça nous fait 3 partout. Dernière question. Il vous reste 10 minutes à vivre. À quoi les occupez-vous? Alors, soit vous faites votre courrier en retard, parce que pour une fois que vous avez 10 minutes devant vous, il faut en profiter. Soit vous entreprenez des études de médecine. Parce que mieux vaut juste à temps que jamais. Ou alors, vous regrettez tout le reste de votre vie, 10 minutes, de ne pas être parti en année sabbatique autour du monde. Moi, si il me reste 10 minutes à vivre, je vais moi-même chercher mon songe en cuisine. Mao Tse-ping! Oh, Mimi, réponds-moi! Bah, écoute, je suis toujours à jour dans mon courrier et je ne suis pas la vue du sang.
Je vais aller débrider ma copine. Quand même, qu'est-ce que tu réponds? La 3. Alors, les totaux, 3 fois 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 3, ça nous fait 1216,3. Alors, je regarde. Si vous avez entre 200,5 et 800,9, c'est que vous êtes mûr pour prendre une année sabbatique. Alors là, vous êtes plus que mûr, vous êtes carrément blette. Ce serait pas que ce serait génial de prendre une année sabbatique? Bon, comment ça? Tout de suite après le vapeur crevette, on part faire le tour du monde. Ouais, alors quoi, faut que t'arrêtes les sucettes à la menthe. Parce qu'avec les sens, ça te fait disjoncter. Ouais, non, mais une année sabbatique, c'est pour quoi faire? Ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Et surtout, à l'heure que tu veux. Tu peux te lever quand tu te couches. Quand t'as soif, t'as pas ton patron sur le dos. Et si quelqu'un t'engueule au Sri Lanka, tu peux croire que c'est une déclaration d'amour vu que tu comprends pas. T'es encore endormi en lisant Cosmo et Biba, toi. À tous les coups, c'est l'idée d'une journaliste qui quittera jamais son triplex au centre Mars et qui t'en va bouffer les centrales grillées au fin fond de l'Amazonie. Et encore, on a du pont et alors il y a un article sur les carmélites. On rentrait en courant, on mettait une cornette et on la fermait pendant un an. Comme ça? C'est lui qui t'a laissé tomber sur son gros boudin nul, là, Jocelyne. C'est une aventure passagère. Ils habitent ensemble. Il a demandé le divorce. Eh ben justement, c'est pour le tromper un an avec un papou, j'ai des chances de le récupérer. Oh non, puis moi, le tour du monde. Si c'est pour partager mon lit avec une migale, prendre un bain avec un requin et faire du jogging parce qu'il y a un lion qui me court après. Non, c'est facile de tout larguer quand on a qu'un scooter. Tu l'embrasses sur les deux sacoches et bye-bye. Vous avez raison. Ne changez rien. Mangez du riz cantonais fait avec du riz Uncle Ben's. En parlant du dernier Lelouch, de la cellulite de Madonna et du Goncourt que vous lirez jamais. C'est ça la vie. Ah, puis les meubles à crédit, les petits restaurants, le top 50, le surgelé, la lessive, la vaisselle, le ménage. Et un gentil petit mari. T'as pas mieux pour t'éclater. Faites ce que vous voulez. Un jour, moi je partirai. Je le prendrai toute seule, le gros navion. Et vous, vous vous en mordrez les doigts d'avoir raté les couchers de soleil sur le triangle des Bermudas. Oh, elle est gonflée, elle a même pas payé sa part. Oh, puis moi, il m'a énervé avec son truc, hein. Et puis de toute façon, Mao Tse-Ping, il est moche, voilà. Mao Tse-Ping, prépare l'addition. Mais sans le soja, si possible, parce que j'ai toujours pomme. De toute façon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein. Bon voyage à vous deux. Signé Le Corbeau. Oh non, t'es nul. Ah, là, vous doutez que c'est moi. Non, y a pas. Hein. Il faut que je leur dise en face, hein. Après tout, c'est mes copines. Ouais. Mais justement, avant de leur dire en face, je vais la coter chez la blancheur pour un petit guignolet. Ça me redonnera un coup de fouet, comme à Brigitte Lahaie dans Flagellation sauvage au bâtiment. Brigitte, me faire ça à moi le jour du grand départ, ils vont m'entendre. 8 ans pour votre peau, ils vont m'entendre. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont m'entendre. Qu'est-ce qu'elle fout, la camarade? C'est toi, la standardie. C'est pas la raison. Allô, les bretons dans le pic, passez-moi cet enfoiré de le pic. Ah, c'est vous, monsieur le pic, vous tombez bien. Dites donc, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai parti ma lettre de licenciement avec ma prime auprès de ce matin? Comment? Vous n'avez jamais eu l'intention de me licencier?
Bon, enfin, écoutez, monsieur le pic, on fait quand même que depuis 6 mois, j'ai tout fait. Mais j'arrive en retard par l'avance. Je prends 3 heures, venir de votre café. Je vous ai grillé des clients, payé des factures. Une fois pour couler votre boîte, j'ai même épilé 2000 brosses à dents. Non, mais votre entreprise est en faillite, vous licenciez tout le monde, pourquoi vous me gardez moi? J'ai même fait croire à votre temps pour coucher ensemble. Vous connaissez, j'ai mis du bien. Mais j'ai mis les vôtres. Non. Eh ben, je vous fous ma démission et je vous claque la porte au nez. Avec quel argent tu pars? Défais mon sac, ramène mes affaires sur les étagères, rends-moi ma robe moche. Je pars. Attends. Alors, tu vas pas nous dire que tu comptais que sur ta prime de licenciement économique pour partir? En 3 ans, t'as bien mis un peu d'argent de côté? Non? Non. Et l'argent que tes parents t'avaient donné pour ton année sabbatique? Bon, ils m'ont donné que 3 briques, j'avais un découvert de 6 avant que je les a bouffées. Attends, je meurs là. Moi, avec 8000 balles par mois, j'ai réussi à me faire un plan épargne. J'ai acheté 3 actions d'Ingoval, j'en ai revendu 2 avec un bénéfice de 192 francs. J'ai fait du babysitting, du money sitting, du tutu-sitting. J'ai chanté tout le monde dans le métro, et dans le TGV, j'ai même réussi à écouler les terrines de chevreuil au truc maison que je faisais moi-même avec du poulet et des champignons noirs. Bah, ça te fait combien au bout? 10 briques. On a parti toutes les deux avec Isabelle. Oh non, il n'en est pas question. On a dit qu'on partait toutes les trois, on part toutes les trois. Tu vas racler tes fonds de tiroir, tu vas bien trouver quelque chose. Ouais. Ouais, il y a bien l'argent que mes parents m'ont envoyé pour payer le téléphone et l'électricité. Si je paye pas, ça me fait dans les 1600 francs. Je peux aussi rendre des chaussures que j'ai achetées hier, elles sont pas abîmées, j'ai marché que dans les draps. Ouais, ça fait pas beaucoup, hein. Non, ce qu'il faudrait, c'est que je trouve quelqu'un qui me prête de l'argent. Une vraie amie. Qui m'aime. Qui ait confiance en moi. Qui me comprenne et qui ait le même rêve d'évasion. Isabelle! Impossible, hein, toutes ces magouilles qu'ils voient ces derniers temps. Ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas ancien combattant, ils ont supprimé sa pension. Qu'elle n'a jamais eu 8 enfants, ils ont supprimé sa location familiale. Mais elle continue quand même à toucher l'impôt sécheresse. Ils se sont aperçus à 3 semaines que sur une exploitation agricole de 150 hectares dans le midi, c'est une chambre de bonne dans le 19e. Ah ben c'est sûr, tu peux rien lui demander. Bah alors, que je dis, quoi. Faudrait que je trouve quelqu'un. Une vraie amie. Qui m'aime. Qui ait confiance en moi. Et qui veuille bien me dépanner momentanément. 1 an. Eh ben, il y a un mois. Non, il n'y a pas un mois. Non, pas que... Non, pas que bon, pas que non. Et voilà. Le jour du grand départ, j'apprends que je reste. Bon, d'accord, je partage mes 10 briques. Mais je te préviens, on fait une reconnaissance de dette qu'on monte signer devant témoin chez mamie. Oh, c'est tellement sympa! Je vais t'acheter un cadeau avec tes sous. On monte chez mamie. Dis donc, tu crois que madame Blanchard aimerait le camembert et la tomate farcie? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que mamie en a pas voulu, alors je lui dis que ça fait peut-être plaisir à la concierge. Mais écoute, jette-moi ça, pars ici, je vois pas que tu vas trouver ça bon. Oh. J'ai oublié mes bougies. J'ai oublié ma fille. Non, s'il y a un canadaire qui passe avant qu'elle les souffle, on est bonne pour la douche. Gigi, couche. Gigi, ta gueule. Gigi. Où est-ce que...
Charles a raison. Hein. Il faut que je leur dise direct comme elle m'a montré. Et puis, je pars plus en année sabbatique avec vous parce que je me marie. Kiki, couchez. Pas tout. Je me fais sûrement engueuler parce que je suis en retard. Deux coulons. Un coucours. Trois coucours. Six coucours. Plus un demi-coucours. On descend dès qu'on a soufflé les 85 whisky-tis. C'est sûr, plus on est sage, plus on rit. Ah, c'est pas du tout ça, hein. J'y comprends rien, moi. Autant que chinois, c'est simple, autant que tuyau, c'est compliqué. Bon, enfin là, je viens de prendre 30 secondes avec sursis. J'ai intérêt à en profiter, moi. Dans le métro et tu finiras dans l'avion. Ah non mais attends, c'est peut-être grave. Ah, c'est
toujours son intéressant quand on n'a pas le temps, qu'on est pressé, qu'on est à la bourre. Eh ben ça c'est vrai, Isabelle, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, ou tu nous l'écris ou tu nous le mimes. Je le mime. Oh, mime alors, vite. Si tu mimes en bégayant, on n'est pas arrivé. C'est d'accord, mais faut qu'elle allume son chauffe-eau. C'est folle, pourquoi elle dit ça? Parce que Mimi vient de lui demander si elle pouvait monter et prendre un bain. Je sais ce que je vais dire. Que j'aurais dû vous prévenir et pas vous laisser tomber au dernier moment comme de vieilles chaussettes. Mais il y a les vieilles chaussettes d'entreprise. Puis, et les chaussettes, un par deux, pas par trois. Ou alors, faut avoir trois pieds. Non, non. Démontre. En plus, trois chaussettes, ça fait toujours deux chaussettes droites, une chaussette gauche, alors deux chaussettes gauche, une chaussette droite, ça fait toujours une devant ta cloche-pied. Hé, l'archiduchesse, ça je dis pas, où sont mes trois chaussettes, sont-elles sèches, archi-sèches? Moi, je suis qu'une soquette, et une soquette c'est fragile, ce qu'il lui faut c'est une chaussure, et la chaussure je l'ai trouvée, ça va remplir pas mon vouloir, surtout si je me marie, et qu'on reste quand même une bonne paire d'amis toutes les trois. Salope. Dis donc, comment elle s'appelait déjà, cette copine qui rêvait de faire le tour du monde? Tu sais, celle qui nous a fait tout larguer pour prendre une année sabbatique. Tu vois pas? Une frisée magouilleuse avec un scooter, et à la dernière minute, elle nous a annoncé qu'elle partait plus parce qu'elle se mariait. Tu vois pas, Smith? Non. Je vois pas du tout. Ah si, attends, ouais. Une bringueuse, drôle, sympa, un peu allumée, ouais. Du jour où elle s'est mariée, elle est devenue aussi intéressante qu'une partie de pichonnerie avec un manchot. Oh, tes pantalons en plastique, ça fait mal. Oh là, ça va, c'est supportable. Évidemment, qu'en tant que caleçon, vous avez l'élastique en haut, ça amortit. Tandis que moi, pauvre mouchoir, oh, elle m'a tellement pleuré dessus, Isabelle, ces derniers temps, je suis tombée du papier à cigarette. Alors, dis juste. Faut que je fasse un vœu, c'est mes premières pinces à linge. Mouchoir, regardez discrètement entre nous deux, il y a une nouvelle. Oh, excusez-moi, je ne me suis pas présentée. C'est d'oreiller, à petits pois. Caleçon, arrière. Mouchoir brodé, à l'ancienne. Bienvenue chez Isabelle, épouse malheureuse à cause de son mari. Ah bon? Elle est malheureuse? Ouais, mais ça c'est les histoires des humains, hein, parce que nous, autrement, au niveau du linge, on s'entend tous très bien. Oui, c'est vrai que ça avait l'air d'être la fête à la machine. Oh, je vous aurais bien abordé au moment de l'essorage. Mais le c'est pas facile pour parler. Ah, mais c'est une question d'habitude, hein, nous depuis le temps, ça s'empêche pas.
encore discuter. Plante-toi, la pluie rouge, on va encore déteindre. Je risque rien, je suis derrière la ligne directe. Mais voyons, on ne regrette pas tes souffrances, hein, parce qu'une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à se laisser aller dans le vent. Ah, oh, que c'est agréable. J'ai le mitraille qui joue avec mes petits poils. Les dents, les pieds d'oreiller, ça va par deux. Il est où, votre mari? Sur le fil, là-bas, avec ses parents, le draouche et la housse de couette. Encore une rafale comme ça, il serait complètement sec. Je me voyais déjà dans sa main, en haut de la passerelle des gros navions à faire coucou. Ou alors, enfoncé dans sa bouche pour étouffer ses cris de douleur au moment de l'extraction d'une fléchette empoisonnée lancée par le chef de la tribu des réducteurs de tête. Et ben depuis 3 ans, le mouchoir, il sert juste à essuyer ses larmes. Parce qu'elle s'ennuie, Isabelle, avec son mari. Ah bah oui, bah moi, pareil avec le mien. Hein. Ah bon? Au début de notre mariage, il me disait tout le temps, c'est ma petite tête d'amour, c'est ma tête en sucre, c'est ma tête. Mais maintenant, tais-toi, je dors. Oh mais ça, mais le mariage, ça tue l'amour, hein. Moi qui suis le caleçon de son mari, je peux vous le dire. Les premiers temps, dès qu'il voyait Isabelle, mais je vole dans le sur la voie, sur la commode. Et une fois que je me suis retrouvé accroché au portrait d'une grand-père. Et mon plus beau souvenir, c'est un week-end de Pentecôte. Ils m'ont oublié sous le lit. 4 jours, j'ai gardé les moutons. Bon, puis les jartelles sont arrivées. Alors là, on s'est mélangé les élastiques. Eh ben, je peux vous dire que c'est autre chose qu'avec ces collants. Ah oui. Ah, oui. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est en train de m'agripper le coton, là. Ah, ça voulait pas, c'est un pigeon. Ah oh, ben, je voudrais vous y voir, c'est désagréable. Il est en train de m'effilocher avec son bec, là. Faites quelque chose, lui ne restez pas, de rien faire. Trouvez un truc, faites-le partir. Mais je sais pas, moi. Va-t'en, pigeon. Oh. Et pire en pire. Oh non, aidez-moi, faut qu'il s'envole. Racontez-lui qu'il y a une pigeonne en russe qui l'attend sur le linge du voisin. Mais comment? Ben, en parlant pigeon. Copine. Niquez chez voisin. Laissez-moi faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il est parti. C'est le bruit du beurre qui fond dans la cocotte. Oh, merci pour le cadeau. Oh, t'as fait genre sur la dentelle. Oh, je suis désolée que ce soit tombé sur vous, hein. Mais c'est de votre faute aussi. Hé, hey, la trouille de la friture, ça va tout détraquer, pigeon. Ah bah, ben, de toute façon, il nous rentre. Je suis bonne pour retourner faire miaou avec le chat machine. Et moi, faut que je repasse un vœu. Ça va être la première fois que je vais au repassage. Ouais, ben, un conseil, planquez-vous sous la patrouille, vous voulez ouvrir les petits pois. Les mariages, c'est comme les accidents de voiture, il n'y a jamais personne qui veut être témoin.
oublié de faire pipi. Dans les toilettes. Et moi, j'ai oublié les pneus. Faut les emmener à Roissy, à bas, au cas où ils pas besoin. Ah, qu'est-ce que tu vas nous manquer? Enfin, surtout tes magouilles pour pas payer l'hôtel. C'était tellement utile de se dire merde dans toutes les langues. Merde, il faut qu'on appelle un taxi, sinon on ne sera jamais. Je ne l'aurais jamais lâché si j'avais pas rencontré l'amour fou. Mais je te jure qu'avec lui, on est aussi inséparable qu'un dirigeant de club de foot avec sa caisse noire. Allô, oui, bonjour, je vous un taxi pour le 12 rue du théâtre. C'est pour Roissy, c'est pour Roissy. Merci. Alors raconte, comment il est, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il veut, tu l'as connu? Bah, et on, comment il veut leur faire? Oh, attends, je sais. C'est un genre Bernard-Henri Lévy, Roland Garros, Johnny Clegg. Non, c'est l'opposé. Un trivial poursuite, raclette, j'ai piqué. Non, pas du tout. Ah, non, elles sont... Allô, oui. Viens, ma porte. Eh ben, quand tu veux, tu te dis avant, on douille. C'est pas plus mal, ça me laisse 5 minutes pour me changer parce que les rayures, ça va me serrer dans la jambe. Ben, non, parce que si ça t'y arrive et que tu murs, pars quand même. Alors, comment il s'appelle? Auguste. Oh, j'adore les vieux prénoms démodés, ça fait kitsch. Ouais, hein. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il bosse ou c'est un feignant comme toi? Oh non, oh là là, lui, il bosse. Allô, oui, bonjour madame, je voudrais un taxi pour le 12 rue du théâtre. C'est très pressé, c'est pour Roissy. Et s'il n'y en a pas, c'est pas la peine de me faire attendre. Bon, j'attends. Alors, c'est le PDG des pianos Archambault. Waouh. Il s'appelle Auguste Archambault. Ah d'accord, je vois le genre. Qui s'en va pas, qui roule en GTI et qui cache son acné juvénile derrière ses rivales. Bah oui, il a des lunettes. Dis donc, Mimi, t'as bien eu ton bac grâce au dessin? Oui. Tu voudrais pas me dessiner un petit piano sur l'épaule? Je voudrais faire la surprise à Auguste et j'ai pas eu le temps d'aller me faire tatouer. Maintenant? Ah bah oui, maintenant, quand? Et heureusement que tu te maries pas avec un marchand de caviar parce que le bénouga trop gras, ça te ferait des points noirs dans le dos. Voilà, comme ça, je serai pas enterré. Si elle fait pour ça tienne, il faudrait que je mette une ceinture. Et la ceinture va me serrer sans pas le tout. J'y arrive à Carmen d'un geste ammoniaqué. Qui fait briller et dégraisser. Mais c'est Ajax, Ajax ammoniaqué. Et comment vous êtes connue? À l'opéra il y a 3 mois. J'étais allée voir la tétralogie de Wagner avec Jesse Norman dans le rôle de la Valkyrie. La grande chanteuse nord-américaine. Ah, c'est ça. Et puis Bertrand Leroy dans le rôle du hallebardier. Qui c'est celui-là? Mais tu sais, mon copain Bertrand, il était déjà hallebardier dans Nabucco. Ah ouais, le hallebardier. Allô? Oh là, ça s'arrange pas, maintenant j'ai le boléro de Ravel à la cornemuse. Et alors? Alors, je suis allée au contrôle. J'ai dit que j'étais la fille de Jesse Norman et j'ai eu une place. Comment t'as fait? J'ai joué Saint-Père. Oh, et comme tout c'est mal nommé, fuck your bloody ass, me! Mais ça a marché? Non. Et je me suis retrouvée assise au premier rang à côté d'Auguste Archambault. Et comme Bertrand, le hallebardier, on ne voit que 2 minutes dans les 2 premières minutes parce qu'après, il est constamment caché par Jesse Norman. Et du coup, j'ai dormi les 5 heures qui restaient sur l'épaule d'Auguste. Et comme il a été sympa de pas bouger, je l'ai invité à souper à la cantine des figurants avec Bertrand, le hallebardier. Oh merde. Hé, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, j'ai juste dérapé un peu. Oh non, mais fais gaffe, t'as quoi, ça va être magnifique. Et alors à la cantine? C'était la première fois qu'Auguste mangeait du poisson pané aux lentilles. Il a adoré. Il a vomi. Il en a repris, il a re-adoré, il a re-vomi. On a dit comme des fous. Si bien qu'à la fin, je suis rentrée avec Auguste et Bertrand avec sa hallebarde. C'est toujours rigolo les soirées à deux couples. Ah, comme ça, je suis pas tirée. Ouais, mais en Laponie, je vais avoir froid. Ah, peut-être mieux que je mette un caleçon sous la jupe. Donc, j'ai pas besoin de la jupe. Et t'es allée à Nice, la présenter à ta mère? Ouais. Oh, au début, elle a tiqué. Mais quand il lui a dit qu'il avait rencontré la mère avant la fille, c'est elle qui l'aurait épousée, elle a complètement craqué. La preuve, après, elle a accepté qu'on dorme dans la même chambre. Hey, c'est une ferme avec les vieux. Oh, oui, il est formidable. En plus, il est étonnant. Vous savez quoi? Comme il joue vachement bien du piano, il a été choisi pour jouer la marche nuptiale au mariage de Léon Blum.
Quel âge il a? 75 ans. Tu vas te marier avec un mec de 75 balais? Non mais t'es complètement secoué. Vous aussi vous trouvez? Même la dingue des G7, elle dit que t'es folle. Quoi? Non mais écoutez, ça va maintenant. Mettez-vous de qui vous regarde et trouvez-moi un taxi. Rassure-moi, là. C'est une combine. T'es plus pépé pour toucher la location vieillesse. Je l'aime. Il est craquant. En plus, il a tellement la classe de Fred Astaire et le charme de Max Royani qu'on dirait Sean Connery. Non, ça y est, c'est fini, là. C'est mignon comme ça, tout petit sur l'épaule. Mais t'es malade! Mais pourquoi t'écris Mimi? C'est pas toi qui signes mon œuvre! Mais si ça se trouve, c'est un bénéfice, crayon, je vais t'avoir sur le dos toute ta vie! Mais non, t'envoies pas avec un coton et une essence, ça part! Alors toi, hein, t'as vraiment le cerveau qui était tatoué par Zinzin! Allô, oui? Oui, c'est pour un taxi, on n'est que deux, on n'a pas de Doberman et on fume pas de cigare! T'angoisse pas, ta part, hein. J'aime même pas le M. Oh, je pue les tentes. Oh, je pense à dire à Auguste d'éviter la cigarette après l'amour ce soir, sinon je plonge. 75 balais. Tu vas passer le reste de ta vie à te faire mordiller le lobe de l'oreille par un dentier qui a trempé toute la nuit dans le cerveau. Non, mais c'est pas...
du changement d'air. Le livreur qui bloque la rue comme si les 200 bagnoles qui sont derrière étaient en vacances ou se bronzaient dans les embouteillages. Et les soirées culturelles devant Jean-Pierre Foucault. Eh bien, tous ces cons qui nous amènent la vie. Moi, j'en ai rien à casquette jusqu'à par le coup de brochure. Et tu vois l'idéal, comme tu disais si bien. Faudrait que tout le monde prenne une année sabbatique. Ah non, merci, si c'est pour retrouver Jean-Pierre Foucault sur la main de Chine. Je remets pas en cause tout ça. Je dis simplement que quelques heures de moins à la Pony, c'est beaucoup d'heures en plus à déconner ensemble. En plus, j'ai vérifié, il y a un autre avion ce soir pour Tromso à 21h52. Et là, il pleut vraiment fort. Hein. Oh merde, la baignoire de ma vie. Tu vois, ça déborde toujours quand on n'a pas le temps, qu'on est pressé, qu'on est à la bourre. Encore une bonne raison de partir. Eh, hey, pour voir ce qui se passe entre les machines et sur les serpillères, n'importe quoi, j'ai pas envie de mon garage, je pense en tirer tout la monde. C'est dingue le destin. Parce que alors là, la Suisse qui fait louper l'avion, j'y suis vraiment pour rien. Fais-moi confiance, on va pas louper l'avion de 14 heures. C'est pas grave, je trouverai deux clochards comme témoins. Ça doit exister, un grand épouvantail, une petite cocu. Qu'est-ce que tu fais, t'es folle? T'occupes, j'ai une idée, tu peux rapporter gros. Bon, dès qu'elle me sonnerie, elle décroche pas, mamie. Tout à l'heure, Michel, elle va me remercier. On est en train de jouer Maman des sources, alors que dans 10 ans moins 5, on a loupé l'avion. Merci, mamie. Non, mais t'es folle? Non, plus il y a de trucs à bimer, même toutes d'assurance. Mais elle est pas assurée, Michel. Avec le fric de l'assurance, elle s'est acheté sort qui lui va pas. Oh, bah alors, remarque qu'elle a bien fait, hein. Non, mais c'est vrai, les assurances, c'est tous des voleurs. Bon, passez une sonnerie, elle décrochera plus, madame. Quand je prends.
parce que mes petites filles sont en premier mois d'une vieille caca qui fait exprès de ne pas répondre au bout de 21 sonneries de téléphone. La nuit vaccine, tu renvoies en 2 jours, c'est pas trop. Non, si tu rencontres un mec pour oublier d'apprendre, qui roule une pelle, il sera immunisé pour 5 ans. Elle est morte, j'ai frappé, j'ai hurlé, j'ai tambouriné, elle n'a pas répondu, je suis sûr qu'elle est morte. En plus, le téléphone a sonné, elle n'a pas bougé. Remarquez, ça devait être un mongolien qui l'a appelé, elle a laissé sonner 21 coups. Ça va, hein. Au plus, je n'ai pas vu la bande d'appel de quatrième âge. Non, 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 je suis sûr qu'elle a allumé chaud pour les deux pieds dans la baignoire. Ça fait un congé avec son chapelet. Ça a foutu le feu à son corset, elle a explosé dans toute la salle de bain, ça tombe bien partout. Ah non, c'est trop dégueulasse. Moi, je crois qu'elle a tapé mon glissé sur sa savonnette. Elle s'est emballée la tête dans le bidet en essayant de se raccrocher à la tasse d'eau. Elle s'est fait un déchirement de la rate et elle a implosé, c'est plus propre. On va voir mamie, se laver les dents. Il y a un commando de Palestiniens qui est sorti de son cul dentifrice. Ils se sont rendus compte que la brosse à dents était juive, ils ont ouvert le feu. Et les gants de toilette corse ont répliqué en torpillant le porte-savon en poche. Et le tout a été revendiqué par le djihad islamique des cotons-tiges. Oh, alors toi, je t'en prie, parce que toi, à part toi, il n'y a rien qui t'intéresse. Alors, bon, je passe par ta fenêtre, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, par politesse, elle aurait pu attendre demain pour mourir. On va le rater, ce putain d'avion. Oh, 13h10, merci mamie. Et vieux, compte avec moi. Prévenez les ambulances.
du traîneau. Ça fait combien de jours que vous n'avez pas mangé? 3 jours. Ça va, tant mieux, parce qu'on va traverser une zone de turbulence. Je vais lâcher tellement je suis sûre. Je vais pouvoir faire de la pute pour Balu. J'ai les pieds et les poissons panés. Il avait dit de me faire bouffer l'autre jambe. Je reprends mon pied. Et ben voilà les touristes français dans toute leur splendeur, toujours à râler. Alors qu'on survole le plus beau paysage du monde, l'aurore boréale, le soleil de minuit, plus de parmètres, plus d'affiches électorales, plus de zip, plus de zip, plus de zac. Plus de sac, plus de passeport, plus de traversée, plus de jambes. Et ce mélange de races, des lapons, des pingouins, des rennes, des météorologues. Appréciez, merde! On nous a piqué nos plaquettes de pilules, alors pour apprécier le mélange des races, bonjour. Arrêtez! Vous êtes quand même mieux là, vous balancez à moitié mort sous un hélico, ça vous embêter derrière un bar de TGV ou un standard de brosse à dents. Ta gueule, Manitou, à chaque lâché. Accrochez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Plus de carburant! Je te préviens, si on s'en sort, je te tue. Je m'étrangle et je te mets un coup de poing. Eh ben alors là, je suis tranquille, je risque rien du tout, hein. On va s'écraser! Parce elle est loin, là, hein. Dans l'inconscient, elle est en train d'attaquer le col sur moi. Non, mais ça a l'air grave. Si tu veux mon avis, c'est pas de l'hypoglycémie, c'est de l'épuisement. Un vieux, c'est crevant. J'avais une copine, infirmière dans une maison de retraite, tous les soirs, elle s'évanouissait de fatigue. Ah, mais là, c'est pas possible, on est le matin. Non, c'est autre chose. Ça se trouve, c'est son vieux qui la drogue. Il fait passer l'héroïne dans les pianos. Il l'a rendue accro. Si elle l'épouse pas, il lui supprime sa dose quotidienne. T'es sûr que c'est ça? On n'épouse pas un vieux par hasard. Regarde, elle a une piqûre sur le bras. Vérifie sous la langue, au sapinat, c'est là qui se pique, elle s'a plus de place ailleurs. Isabelle, si je te dis héroïne, qu'est-ce que tu réponds? Scarlett O'Hara. Isabelle, la piqûre sur ton bras, qu'est-ce que c'est? La prise de sang prénuptiale d'avant le mariage. Oh, Mimi, je suis contente. T'as deux jambes. Eh oui. Tu te maries, j'ai deux jambes, un bonheur n'arrive jamais seul. Et toi, c'est poisson pané, ça va? Isabelle, à quoi tu te chantes? Je ne chute pas. Non, alors pourquoi tu t'es évanouie? Oh, non, malheureux, vous êtes bête. Ça doit être parce que j'ai fait la grève de la faim pendant une semaine pour avoir plus de place pour ma robe quand je pique au supermarché. Cette fille est folle, totalement folle. Tu vas t'arrêter là, tu vas te marier, non, c'est pas vrai. Bon, allez, viens, remonte là où vient des congés, des vaisseaux. Ah non, ce serait plus raisonnable qu'elle grignote un petit bout. Tu veux un camembert ou une tomate farcie? Non, je tape sur Mimi, j'ai l'estomac tellement rétréci, je pourrais même pas rentrer le chapeau de la tomate. Bon, ben, pendant ta convalescence avec la diététicienne, je montre réveiller mamie, j'ai dégoncé la brise, je fais le numéro du plombier, je redescends. Même chose, parce qu'elle a mis au décolle dans 45 minutes. Ben, tiens-moi l'échelle. Oh, 45 minutes, si seulement elle pouvait se casser la gueule sur son échelle, qu'on gagne un peu de temps. Putain de bordel de merde! Qu'est-ce qui se passe? Il y a des loups dans le quartier? Mais
descendre. Celui qui conduit, c'est en bas. T'as raison. Oh, regarde Isabelle, tu sais qui est en bas. C'est son petit Auguste. Et la bébelle, elle va sauter dans les bras de son Gugus sans oublier la pimpince. Hé, hey, j'ai une vertige, je me suis pas complètement papade. Gagnez-vous le temps. Bon, Gugus, arrive, parce qu'on va essayer la méthode trouée. C'est quoi? C'est l'autosuggestion. Par exemple, si toi tu te dis, j'ai pas mal à la main gauche, 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 ça va te soulager, essaye. J'ai pas mal à la main gauche, j'ai pas mal à la main gauche, j'ai pas mal à la main gauche, j'ai pas mal à la main gauche. Alors ça marche? Évidemment, c'est la main droite qui est présentée. Je te remercie de ton aide, ça va être facile avec l'autre. Isabelle, répète après moi. Je n'ai pas le vertige, je n'ai pas le vertige, je n'ai pas le vertige, je n'ai pas le vertige. À toi. Je ne sauterai pas, je ne sauterai pas, je ne sauterai pas. Tu vois bien, ça va empêcher la main droite, je vois un coup de boulet, mais tu vois. Eh ben moi, si je saute et que je vais paralyser à vie, je m'écrase la gueule avec mon fauteuil roulant. Ça manquait, une manche à tes hémiplégiques. L'année prochaine, je donne 20 francs de plus au Téléthon. C'est pas possible, il faut tenir les mains sur le tic-a-tic. Non, on remplace nos mains par un truc qui nous appartient, ça fait pareil. C'est moi par exemple, je me tiens la pourte oreille que tu m'as revendue. Et moi, aïe aïe aïe, la prochaine des saucisses que t'as piquées après tuer. Et ben moi, je me tiens un nerf pour me faire des rhumes pour m'avertir les gars à moi. C'est bien, allez, 3, 4, à tic-a-tic-a-tic, con, cul, poil, pile, trou, chiot, enculé. Quand t'as roulé une pelle à Jean-Pierre. Encore? Oui, j'aime bien comme tu racontes. Tout depuis le début? Non, juste sa tête, ça fait vous assurer. Ah, l'aide! Ah! Très, très l'aide! Hé, hey, elle a pris 20 ans de plus en une seconde. Tout à coup, avec la rage, ses cheveux ont blanchi et ils sont tombés. Il ne restait plus rien sur la tête que ces pellicules. Qui homme? Ses dents sur pivot se sont mises à tourner en lui déchiquetant les gencives. Puis son vernis ongle noir s'est écaillé, son maquillage s'est craquelé, son corps s'est lézardé. Et de chacune de ses varices jaillissait le sang verdâtre de son humiliation. Encore. Quand je suis partie, elle n'était plus qu'une flaque. Nauséabonde. Agonisant sur la moquette en pure laine vierge de nylon de chez Saint-Maclou. Oh, c'est le panneau. Isabelle. Si je veux passer au mariage, tu trouveras un petit moment pour que tu me racontes aussi. Évidemment, parce que là, je t'ai pas tout dit. Non seulement elle est moche, mais en plus, elle chante faux, elle fait des fautes d'orthographe, elle a pas Canal Plus, et elle pète. Ah, oh, c'est le fanard! Encore! Ça fait qu'elle mentionnerait bien, mais tu connais Michel, elle en a rien à foutre de Jean-Pierre. Elle pense qu'à aller chasser les lapins en tronçon. Je suis là. Bon ben, j'ai tout fini d'éponger là-haut.
du coup de main. J'ai beaucoup apprécié. Téléphone a pas sonné? Non, pourquoi ça t'a un coup de fil? Non, non, non. Tu permets, je prends 2 minutes pour me faire un bandage serré. Si jamais je pompe ma main dans les couloirs de Roissy, on va perdre un temps fou à la chercher, on va rater l'avion. Non mais Michel, moi je serais toi, j'irais carrément à la pharmacie me faire faire une piqûre antitétanique. Non, 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 je serais courageuse. Je me la ferais faire à l'hôpital de Tromso. Je demanderais un scanner du poignet et une échographie des auriculaires. Mais t'es folle! En Laponie, ils te nettoient la plaie avec de la bile de phoque et ils te la recousent avec des brochettes de hareng fumé. Et ce n'est pas moi qui vois les ordonnances. Bon, écoute, Michel, tu ne joues pas avec la vie de ta main parce que voir trop de mourir, ça vaut pas le coup. Je ne veux plus partir ou quoi? Moi? Ah oh ben non, on a dit 14h. On va pas prendre l'avion de 21h52. Oh, tu m'as fait peur. Allô, oui, c'est moi, c'est elle-même qui la demande. Oh, madame de l'agence de voyage, voilà. Oh, va y en revenir. Oh non, merde, non. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appris avec Greg, vous pouvez l'embrouiller de maintenant à 21h50. Génial. Vous venez à mon mariage, vous prenez le 21h52. Ne te réjouis pas du malheur des autres. Non, vous n'êtes pas équipé contre les grévistes, hein, voici. Mais il va même faire entendre raison à un pilote. Bon, écoute, Mimi, on va te l'influencer comme sur Krasuki, on va être obligé de prendre le 21h52. Eh ben, tant pis, qu'est-ce que tu veux, tant pis. Nous irons tous à mon mariage. Nous irons tous à mon mariage. Bon, alors, on va prendre le 21h52, vu qu'on est obligé. Oh, madame. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Je vous ai bien. Pour nous jeter à la sortie de la mairie. J'ai plus de riz, j'ai plus de coquillettes. Elle demande si elle a bien imité la dame de l'agence. Allô, André ! Eh, diplômée menteuse, mention Pinocchio. C'est-à-dire, bon, j'avais vraiment pas envie qu'elle enterre sa vie de jeune fille sans qu'on fasse ses croque-morts. Eh ben, moi non plus, André ! Allez, vous dites donc, c'est le trac ! Ça va, un petit coup de chien, on va me partir sur la détente. Et moi, je suis faire les camemberts et la tomate partie, comme ça, on fera un petit buffet à la mairie. Et moi, je demanderai à mamie d'apporter ses boules de naphtaline, ça fera drager. Oh, je ne sais pas si c'est l'émotion, la joie, mais ça me fait comme des nausées. Ah non, attention, on est bien d'accord. Pas de baptême à 21h52. Hein. Allez, à nous, au lapon, au vieux et au gréviste. Cheers! Il est parti chercher son écharpe tricolore au pressing ou quoi? Mais ne vous énervez pas, il va arriver! Ça fait 2 heures que je te dis ça! Tu veux que je te raconte encore Jocelyne? Maintenant qu'il est enterré, je vois pas ce qui peut lui arriver de plus. Ma main, c'est plus une main, c'est un grand box! Je vais faire aussi 6 l'année prochaine! Un peu de patience! Regardez Auguste et mamie, papa tranquillement. Mais eux, ils n'ont pas d'avion à prendre. Auguste, faut pas trop de champagne, il est chaud. Et sur le camembert et la tomate partie, ça va te barbouiller pour dire oui. Mais qu'est-ce qu'il a, Auguste, déjà ses mouches? Mais non, pas du tout. Non, c'est parce qu'à l'époque, Auguste, il a vécu avec Edith Piaf. Et là, il raconte à mamie les gifles qu'il lui a mises quand elle l'a trompé avec les compagnons de la chanson. Ouais, eh ben tout ça, ça fait pas venir le maire. Eh ben j'y peux rien, on n'est pas les seuls. Tiens, regardez, il y a un autre mariage qui attend. Jean-Pierre, Jocelyne. Jean-Pierre et Jocelyne. Mais elle est belle, Jocelyne, pourquoi tu m'as dit qu'elle était laide? À l'extérieur, oui, elle est belle, mais à l'intérieur, c'est la décharge de Tchernobyl. Oh, l'an passé, l'épouse. Oh, l'épouse, l'an passé. Isabelle, va rouler une pelle à Jean-Pierre. Oui, va une pelle lui rouler, Isabelle à Jean-Pierre. Ah, pardon, devant Auguste. Et puis qu'est-ce que t'en as à foutre de récupérer un mec comme ça, il est nul. Ça fait 15 ans qu'il prend les cours de guitare, il est toujours à jeu d'interdit. Ah, non, je m'en tape de Jean-Pierre. Qu'elle se garde, c'est pas un cadeau. Y a qu'une mairie à Paris que tout le monde vient se marier ici.
Tu vas voir qu'avec la chance que j'ai, leur voyage de noces, ils vont le faire à Tromso. Mais non, c'est moi qui vais le récupérer à Venise, sur les gondes. Oh. Ils iront nulle part. La Michelle, on va crever les quatre pneus de la voiture de Jean-Pierre. Et moi, je vais leur couper cette heure sécurité comme c'est froid ici. Non, attendez, hé, la mer. Tout le monde a pour deux secondes surveille Jean-Pierre. Hé, Jean-Pierre, toujours cœur positif. Excusez-moi, monsieur le maire. Non, je suis désolée. Hein. Oui. C'est bien le mariage d'Archambault. Non, c'est pas mon père, c'est mon fiancé. Devant ce mec. De toute façon, on veut pas que tu viennes. Il pèse tellement lourd dans ta tête, ça ferait que c'est dans le bagage dans l'avion.
Bon, les mimi, on arrête de s'engueuler. Tu vas voir, on va passer l'année géniale. Et au retour, Jean-Pierre, ça sera plus qu'une chire de mouche dans ta mémoire. Rencontrer mes copines. Tu vas voir, elles sont d'enfer. Alors, celle qui va te parler juste bien dans l'oreille, c'est Mimi. Et celle qui va me dire, oh dis donc, qu'est-ce que t'as grossi, c'est Michel. Oh, Michel! Et comment elle est fringuée. Elle a trouvé du Jean-Paul Gaultier au Pérou, quoi. Mais qu'est-ce que t'as grossi? T'es enceinte de 8 mois, mais c'est absolument génial! Mais au qu'il doit être fou de joie! Il est ravi, ravi! Ah, tant mieux! Mais c'est pas lui le père! Ah, tant mieux! Ah, bah, je voulais dire tant pis, quoi! Tant mieux, je t'expliquerai! Ah, ouais, tu m'expliqueras! Ah, tu fais bien de te revoir! En plus, c'est la pile un an après et à l'heure! Ça, c'est grâce à votre avion! Il avait 5 heures de retard, comme moi! Oh, c'est génial, t'as pas changé! Oh, Isabelle. Alors raconte, comme une nouvelle Paris, mamie, Kiki. Oui, tout va bien, tout va bien. Ah. Hey, j'ai un cadeau pour toi, de la part du chirurgien qui a opéré Courte. Tiens. Elle était dans son estomac, cachée derrière la choucroute. Avec le portefeuille, je trouve. Mais je m'en fous, ça raconte mon Auguste. Mais je vais te raconter, mais dis-moi, Mimi, elle est où? Oh, avec un peu de chance, elle est tombée de la passerelle, il y a un Boeing qui doit rouler dessus. Et en ce moment, elle est en train de bouffer son plan épargne par la racine. Qu'est-ce que vous m'avez manqué, hein? Tous les jours, j'ai pensé à vous. Hein. Oh, je me disais, tiens, là, elles sont à Disneyland, en train de rouler une pelle à Donald. Mais alors là, elles sont sur un deltaplane, en train de rouler une pelle à Nicolas Hulot. Vous avez dû vous marrer comme des folles. Ah, on s'est vachement marré. Et deux jours. Après, elle m'a gonflé pendant 363 jours. Elle a chopé une maladie. La tourista? La Jean-Pierre est aiguë. Jean-Pierre, 24 heures sur 24. Un an, elle m'a bassiné avec Jean-Pierre. T'imagines, Isabelle, elle m'a rendu dingue. Je souhaite qu'une chose, c'est que Jean-Pierre ne veut plus jamais la revoir. Et qu'elle en bave comme j'en ai bavé. À ce point-là? Ouais. Bah, tu vas pouvoir danser la gigue. Parce que Jean-Pierre, depuis l'affaire des pneus crevés, il veut plus entendre parler d'elle. En plus, avec Jocelyne, c'est The Big Love, hein. On est un grand dead. Isabelle, t'as des nouvelles de Jean-Pierre? Mimi, dis-moi tout, sinon je m'immole par le feu. Hein? Arrête! Je sais rien du tout, éteins ça! Je sais rien du tout! Éteins, je sais rien! Bah, pourquoi tu lui dis ça? Il vient de me dire qu'il n'a jamais été aussi heureux avec une femme. Et qu'il préfère vivre avec Blanche-Neige plutôt qu'avec Grincheux. J'écoute pas, ça s'en porte. Attends bien, j'ai pas le vent. Oh, bon. Voyons, Mimi, moi, je vais t'expliquer. Tu connais Jean-Pierre, il peut pas aimer une femme qui n'est pas là. Mais maintenant, quand il revient du... Sûrement qu'il te re-aimera. Oh, ça fait plaisir d'avoir une vraie amie. Mais dis-moi, Auguste a planté la petite graine. Enfin non, oh là là, non, c'est pas Auguste. Non, figurez-vous qu'un soir, on est allé à un concert de Manu Dibango. Et moi, j'ai réussi à entrer dans les coulisses en me faisant passer pour sa sœur. Et là, oh, j'ai eu le coup de foudre pour son pianiste. Oh, il joue d'une façon géniale, hein. C'est Mozart en rasta.
Gautier et l'humour d'Eddie Murphy, comme dirait Yannick Noah. Alors voilà. Auguste a très bien pris parce que lui, il est tombé amoureux de la choriste. Et moi, ça fait 11 mois que je vis avec le père de mon bébé, Amadeus N'Golo. Alors comme ça, tu vas nous faire un petit café au lait? Oui, avec la petite cuillère. Oh, un petit garçon! Comment ça, avec la petite cuillère? Ah bah oui, la petite cuillère, c'est pour les petits garçons. Arrêtez une cuillère à la soucoupe. Excuse-moi, mais je remets pas mon café avec une quéquette. Dis-lui qu'elle retourne dans l'avion au moins quand elle a la tête dans sa cave au miel, nous fout la paix. J'écoute pas, j'entends pas. J'entends bien, j'ai pas le temps. Ben, quant à moi, hein. Oh, j'ai découvert l'ambiance des concerts, hein. L'autre jour, j'ai pensé à vous. Je m'attrape un petit fou rire. Il y a un des musiciens qui avait mis de la crème chantilly dans le saxo de Manu Dibango. Quand il s'est mis à jouer, là, il s'est pris toute la chantilly sur la tête. On aurait dit un chocolat liégeois. C'était rigolo. On va descendre chercher vos bagages. C'est pas la peine, tout est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande à la pétasse blonde à côté de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'écoute pas, j'entends pas. Ça tombe bien, j'ai pas enfant. Alors, mais figure-toi que madame, dans sa série Perçons les mystères de l'autochtone, a voulu faire sa zaïroise et laver nos affaires dans les rapides du fleuve Zaïre. Mais vu que c'est pas qu'un fleuve, c'est pas un lac, résultat naufrague, hop là. Alors aujourd'hui, c'est un mérou qui se promène avec mon anorak. Et pieuvre qui se débat avec mes collants. T'as ta viande aromatique dans la brousse, toi. J'écoute pas, j'entends pas. Attendez, j'y pense pas. On va prendre l'ascenseur et descendre au parking, allez. Heureusement qu'en arrivant à Lima, le secours catholique péruvien nous a donné des vêtements. Enfin, si on peut appeler ça des vêtements. Et c'est ça ou la couverture des mulets? J'écoute pas, j'entends pas. Mais je m'entends. Il est long cet ascenseur. Et vous êtes allé visiter les pyramides au Caire? Moi, oui. Ah. Elle a fait la visite guidée d'un Égyptien. Ah, ils aiment bien les Françaises, hein, les Égyptiens. Ah ouais, ah ouais, ouais, jusqu'à ce qu'il y a encore de mémé. J'écoute pas dans ton corps. Attendez, j'ai pas encore. Bon, écoutez maintenant, arrêtez votre cinéma, hein. Vous avez foiré l'année sabbatique, vous avez foiré l'année sabbatique, vous en reprendrez une autre dans de meilleures conditions. Certainement pas. Elle a réussi à me faire regretter les brosses dans le pic, la tête de con de mon banquier qui dit que j'aime Mme Blanchard. Et moi, je pense que si j'étais pas partie, j'aurais enlevé Jean-Pierre de mon plein gré à la sortie de la mairie. Aujourd'hui, je vivrais heureuse et c'est Justine qui serait ridicule dans ce poncho. C'est fou. Moi, je croyais que l'année sabbatique, c'était un bon coup d'aspirateur dans la tête pour repartir à zéro retour. Bon, alors là, non seulement vous revenez avec le sac plein, en plus, vous vous disputez pour savoir qui va vivre dans la poubelle. Je vous préviens, je veux bien faire la femme de ménage, mais toi, ça mène le please. Et toi, presse le chiffon. Allez, allez, trois cases. Allez, on fait un chica-chic. Hein. Allez, un bon petit chica-chic, allez, allez, allez. Trois cases, chica-chica. Ah, j'ai une contraction, qu'est-ce qu'il faut faire? Mets-toi ton chariot, ça te fait du bien. Tu vois ça, du bon de pas avoir de bagage. Qu'est-ce qu'il fout l'ascenseur? Elle s'est mise en grève tout seul ou quoi? J'ai mal, j'ai mal! Non, Isabelle, en Colombie, les femmes qui vont accoucher massent des feuilles de coca, ça les soulage. Tu veux un coca? Oui! Non! Ah, attends, chez les vaudous, ils égorgent un poulet!
les poulets des plateaux repas, ils sont déjà cuits. C'est bien, vas-y, souffle là-dedans. J'ai enfin perdu, viens, vas-y, souffle. Vas-y. Ah, ça pue ce truc. C'est à la main que ma joie avant moi ou quoi? Le petit Isabelle sans le donneur qui ne peut pas accoucher sur ce chariot. Isabelle, aie un peu d'autorité sur cet enfant. Si je l'apprends maintenant, qu'est-ce que ce sera pétard? Bah. Écoute, c'est Louis. On est dans un aéroport. Papa n'est pas là. Alors retiens-toi. C'est pas le moment, 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 voilà, pas la femme, c'est pas le moment, 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 voilà, pas la femme. Incroyable, mais ça va mieux. Tu vas me branler comme ça, je commence à te rembourser tes 5 briques. Hey, ce gosse, hein, c'est tout son père. Amadeus, quand je lui demande quelque chose, il faut que je lui chante. À quelle heure tu rentres ce soir? Ce soir, pas l'enfant. T'es malade? Pourquoi tu m'as tapé? C'est pour ton bien, allez, dépêche-toi. Hein? J'ai dans la vie, on m'a encore des limites pour passer 1h52. Non mais, oh, si tu me tapes dès le départ, qu'est-ce que ça va être au retour? Lili, bougez! Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Jean-Pierre nous a vu crever les pneus de sa voiture. Oui, mais c'est pas ça. Ok,
juste trompé avec mamie. Il m'attend dans la limousine pour venir, non? J'avais peur que vous soyez plus là. J'aurais été vraiment contrariée que vous partiez à l'année sabbatique, fâchée contre moi. Oh, mais tout va bien, n'est pas fâchée. Ah, non. Non, parce que j'aurais pas supporté si vous m'en vouliez, même un quart de demi-seconde de pointe de chameau. Mais on t'en veut pas, allez, calme-toi. Ah, non, hein. Je préférerais encore m'inscrire au RPR plutôt que de perdre votre amitié. Non, mais tout va bien, stop, basta. Non, ça c'est une fois, me bousiller ma demi-blotte après le mariage. Bon, allez. Je reprends l'articulant, on ne s'en veut pas. J'ai récraché. Allez, allez, attends un moment. Allez, bonjour aux ondes. Ah, est-ce que je suis contente? Parce que la zone de Téna 52 n'existe pas. C'est moi qui l'ai inventé. Le prochain est demain à 14h. Petit gland d'éléphant, trique de yak, si vous n'êtes hippopotame, putain de...